Salam alaikum l'ikhwan, bonsoir les amis, voilà pour vous 4 journaux, week-end, gynécourse, la gazette des courses et Paris Turf pour le quintet de samedi à Paris Vincennes 7 septembre 2024. Havsevn vise la 7e. Le protégé de Jean-Michel Bazir compte ses succès à Vincennes. Idéalement engagé et présenté, déféré des quatre pieds, il peut enregistrer une 7e victoire. Samedi 7 septembre 2024, Paris Vincennes Réunion 1, 4e course, prix du Mont Saint-Michel, attelé coursé 7 à 11 ans, 68 000 euros, 2700 mètres, grande piste. La course du jour, leur dernière course, date, hippodrome, catégorie. La dernière place, les participants, la dernière cote, driver, le dernier driver, dernière réduction kilométrique, dernier déferrage. Voilà, les jumelles du quintet, R6B, le 6, et on est capable. Voilà les repérés. Le 12, repéré le 31 juillet à Enghien. Le 9, hold up du Dijon, repéré le 7 août à Saint-Malo. Le 6, repéré le 15 août à Vibraille. Le 8, Follow Me Flash, repéré le 26 août à Vincennes. La découverte et le sport, le 13, veut trouver son salut. Le conseil de week-end, 13, 6, 16, 12, X. Voilà les années d'expérience 2023, 2022, 2021, 2020. En un clin d'œil, du pour, du contre. Bon favori, favori d'auteur, en hausse, en baisse. Stable, petite chance. Driver à suivre. Les déférés, meilleur couple. La forme saisonnière. Le cheval robot. Les points d'appui. Stade favorable à savoir. Les astres, par le nom, par les chiffres, par l'écurie, pourcentage d'adversaires battus. La conclusion, 13, 9, 14, 11, 2, 5, 6, 16. Les écarts, le top seed Mazo, classement. L'étude des matheux, classement distance pondérée, classement performance, classement des numéros. Prono des matheux. La forme des drivers. Le quintet par le chrono. Les meilleurs chronos sur le parcours 7, 9, 3, 15, 6, 1, 16. Meilleur chrono le 7, 1, 12, 1. Record absolu, record sur le parcours, meilleur chrono réalisé au cours des 6 dernières semaines. Avant première presse, voilà les pronostics des médias et écarts. Le flambeur, ticket de base 6, 16, 14, 13, 9, 11. Votre gain, première chance, le 11, le 6, le 16. Seconde chance, 7, 13. Outsider, 12, 2, 5, 11, 9. Abandonné, 1, 3, 4, 8, 10, 15. L'étude scientifique, le classement théorique, le pronostic scientifique. Le bon d'essai, valeur, forme, réussite, aptitude. Les concurrents par les chiffres. Classement des meilleurs pourcentages de réussite. Voilà la synthèse. 14, 9,
13, 2, 11, 6, 12. Détail des chevaux, le 1, histoire moderne, retour sur le sable, cotation 340, réussite dans les quintés 29%, 7 participations, 2 places, le 2, Harry Kohei, confirmation en vue d'après son entraîneur Paul Menz, Jean-Marc, le 3, Forever Giel, pas hors d'affaire. Le 4, Extra du Châtelet, à revoir. Le 5, Hima de Bricqueville, d'après son entraîneur René Felder, à l'arrivée. Le 6, Rossibé, sur sa lancée. Le 7, Horatius Della. Bien sûr, les 2700 mètres, d'après son entraîneur Marc Sassier. Le 8, Follow Me Flash, d'après Étienne Lefranc, son entraîneur, question de parcours. Le 9, Hold Up du Dijon. Cours bien frais, l'avis du reporter. Le 10, Gasoline du Se. Barré, mais peut être cinquième. L'avis de son entraîneur, Travers Cyril. Le 11, Gino Viva. Pour une place. D'après son entraîneur, Dominique Locquineux, Gypsy de Chamon, le 12, toujours au top. L'avis de son entraîneur Pierre-Yves Verva. Gauvez contre Gauvez, ils vont mettre tout le monde d'accord. Voilà le programme de week-end. On va agrandir un peu pour pouvoir voir ce truc-là. Voilà. Le 1, E du bois des ferrets des 4. Le 2, D tombe des ferrets des 4. Le 3, M moitié des ferrets des 4. Le 4, Amirel garde ses fers. Non des ferrets. Le 5, F Nivard des ferrets des 4. Le 6, D bonne. Plaqué des antérieurs, déféré des postérieurs. Le 7, Eric Raffin, déféré des 4. Le 8, E. Lefranc, déféré des 4. Le 9, A. Abrivard, déféré des 4. Le 10, A. Colette, déféré des 4. Le 11, F. Lagadeug, déféré des 4. Le 12, PY Verva, déféré des 4. Le 13, Théo Duval d'Estaing, déféré des 4. Le 14, Yann Le Bourgeois, déféré des 4. Le 15, A. Barrier, déféré des 4. Le 16, J.M. Bazir, déféré des 4. 2700 mètres, mes amis. Voilà. Alexandra Brevard, voilà sa sélection. 6, 16, 14, 13, 12, 9, 7, 8. Les pronostics les pronos de la rédaction. Voilà, les pronos de la rédaction. Les 7 du week-end. Voilà. Voilà, les trèfles figurant dans la note du week-end permettent d'un simple coup d'œil d'évaluer les chances de chaque concurrents. Ils ont été attribués, voire barèmes ci-dessus, en fonction du total des points obtenus par les chevaux dans la rubrique Tour de table. Voilà. On continue les 7 du week-end. Voilà les 7 du week-end. Le classement du 7.
Le premier le 14, le deuxième le 16, le troisième le 6, le 7, etc. On continue. Voilà le prono unique. Le 6, coup de poker, le 16, le tuyau, le 14, base, le 13, base, 7, 12, 2, 5. En cas de non partant, le 9, le regret, le 11, les meilleurs outsiders, 8, 15, as. Pour toucher le gros lot, 3, 10, abandonné, le 4. Les chaleurs d'entraînement, le tuyau, le 16. Le prono des pistes 16, 6, 14, 12, 8, 7. Voilà. Jean-Michel Bazir, juge, Half 7, prêt à faire de son mieux. Il a été éliminé dans la finale du trophée vers lundi. Aussi, il découvre une belle opportunité en repli ici. Il est très bien physiquement et sera déféré des quatre pieds. Voilà. Le multi, 5, les bases, 6, 16, on leur associe 14, 13, 7, 12, 2, 5, 9, 11, 8. La course référence. Voilà, je vais vous agrandir ce truc-là pour pouvoir lire. Voilà, l'opinion de week-end, le 1, 48, le 2, 14. Le 3, 55, le 4, 90, impasse. Le 5, 18, le 6, coup de poker, 4 contre 1. Le 7, 12 contre 1, le 8, 28, le 9, 24, le 10, 35, le 11, 33, le 12, 13. Le 13, 9, deuxième base, le 14, 6. Première base, le 15, 31. Le 16, 5 contre 1, le tuyau. Retour en image, course de référence. On continue. Le 13 est le sport. En bonne forme, le 14 Hamilton Duham, d'après son entraîneur Yannick Dismet, dans les 3. Le 15 50 Black, pieds nus, d'après Grégory Torrel, son entraîneur. Et le 16 Half 7, engagement idéal, d'après Jean-Michel Bazir, son entraîneur. On continue avec le journal Gynécourse. Voilà, Gynécourse, elle a tapé dans l'œil de notre consultant ROCB, passe de 5 en vue, lauréat de ses 4 dernières sorties, avec brio à chaque fois. Le dossier Quintet Plus, départ prévu à 15h15 en France, au Maroc 14h15, en Afrique 13h15. Distance 2700 mètres, grande piste, 68 000 euros, attelé, coursé, 7 à 11 ans. Difficulté de la course, 2 étoiles. Piste en mâche fer, corde à gauche, la ligne d'arrivée 250 mètres, le parcours. Les costauds sinistres. La course de référence, la tyrfoscopée des partants. Hamilton Duham, sûrement. Les drivers s'expliquent. Johan Le Bourgeois sur le 14. Pierre-Yves Verva sur le 12. Gypsy de Chamon, le favori au banc d'essai. La tactique express, le ticket type. Voilà, je pourrais vous agrandir ce truc-là pour pouvoir le lire.
continuer avec. Info express, ça marche, engagement, bizarrerie, du jamais vu, 0% de réussite sur ce parcours précis pour Foulaoumi Flash, le 8. Le chrono, il vient de battre son record, le 5. Meilleur chrono sur le parcours, 7, 9, 15. Le meilleur chrono, le 7, Horatius Dilla, une 12, une. Voilà le passé de la course déjà vu. Avec week-end, c'est pareil, aucune différence. Les côtes, c'est la même chose. Voilà. Forme et écart au trot des numéros. Voilà. Des numéros, des drivers. Arrêtez la vidéo, il y a tranquillement. Les records. Record sur ce parcours, record général. Voilà, on continue, mes amis. On essaie de vous agrandir un peu. Voilà. Le 1 retour à Vincennes, le 2 confirmation en vue, le 3 pas hors d'affaire, le 4 à revoir. Voilà. On va agrandir ce truc-là. Le 4, le 3, voilà. Donc il a géré donc Brosmissou, Nadel, Saad. Alors voilà, arrêtez la vidéo, agrandir pour pouvoir lire ce truc-là. Les détails, la même chose. La sélection de Stéphane Ethée. Et le sport revient fort. Mon pronostic 13, 6, 14, 16, 12, 7, 2, 9. Le 5 à l'arrivée. Le 6 sur sa lancée. Le 7 bien sur les 700 les 2700 mètres. Voilà, c'est ce truc que vous pouvez le lire. Voilà. Le plus des experts, le panier de génie, les 7 ans en vue. Voilà, on va agrandir ce truc-là. Base, première chance, base 14, 6, 16, 12. Première chance, 7, 9, 13, 3. Seconde chance, 2, 11, 5, 15, 8, 1, 10. Grand outsider le 4. La dernière minute, le coup de folie. La dernière minute, le 6, Aero 6B est sur un nuage cette année. Le coup de folie, le 9, Hold Up du Dijon, toujours dans l'argent. Le classement logique, Have 7 a dit titre le 16. Forme et écart de trot, des numéros, des entraîneurs, des drivers. Voilà le programme. Voilà le programme. Voilà le 1. Voilà le 1, le 2, le 3, le 4, garde ses fers.
7, le 8, full homme flash. Le 10, gasoline 10. Voilà. 13, 14, 15, 16. L'opinion de Barbara ici à Madame Schiffer. Have 7 en priorité le 16. Le pronostic Paris course. Hold up du Dijon. Ce n'est pas un vol. Hold up du Dijon. Le ticket du patron, Horatius Della Avanto, le 7. Les statistiques sur les pistes, les performances, le coin de multi, flambeur, audacieux, prudent, sécurité. L'avis du consultant Eric Raffin, voilà son choix. La conclusion de l'ensemble de la rédaction, base 6, 14, 16, tuyau 13, 7, 12. Outsider 9, 11, en cas de non partant le 2. Voilà, je vais vous agrandir ce truc-là pour pouvoir. Voilà, le 1, 19, le 2, 13, le 3, 26, le 4, 49, le 5, 17, le 6, 4, le 7, 8, le 8, 19, le 9, 15, le 10, 24, le 11, 15, le 12, 11, le 12, 11, le 13, 10, le 14, 5, le 15, 19, le 16, 3. On continue, mes amis. Le 8, question de parcours. Le 9, court bien frais. Le 10, barré, mais peut être cinquième. Le 11, pour une place. Le 12, toujours au top. Le 13 en bonne forme, le 14 dans les 3, le 15 pieds nus, le 16 engagement idéal. Que dit la presse, le championnat de France des pronostiqueurs, les 13 médias, voilà les pronostics. Synthèse de la presse la plus suivie en France, favori, outsider abandonné. Les meilleurs pronostiqueurs au trot, quinté plus 10 jours. Les 8 derniers résultats des favoris de la presse trot. Voilà la gazette des courses. Quintet à Vincennes, Prix du Mont Saint-Michel. Hamilton Durham, le 14 sur sa lancée. 16 partants. 3 chevaux à jouer samedi en 2 sur 4 en couplet. Base, le 14 Hamilton Durham. Outsider, le 9. Trouble fête, le 6. L'analyse des pronos par Jessica Carter, un quinté tout trouvé. La conclusion des pronos d'or, les favoris de la presse. Si je vous mettrai du piment, personne n'en veut pourtant le coup sûr. La forme saisonnière, 12, 5, 14, 2, 9. Le classement de la presse, l'outsider le 9, notre coup de cœur le 6. Écart driver, écart des numéros.
Stade Gazette 6-6-14-13. Le grand écart, Horatius, Horatius, Horatius. Horatius au grand écart. Horatius, je pense, le 7. Horatius dit là. Horatius dit là. Grand écart. L'analyse des partants en un clin d'œil. L'analyse perf, forme, parcours, confiance, combativité. La logique 14, l'introuvable 13, l'outsider le 9. Le résultat de l'analyse 14, 6, 6, 5, 7, 2, 9, 13, repéré sur les pistes par nos reporters. Repéré sur les pistes, le 12, repéré le 31 juillet à Enghien, le 13 et le sport repéré le 31 juillet dans la même épreuve que la précité à Enghien. Vite sur une troisième ligne en épaisseur. Il a bien terminé en plein piste, deuxième. En direct des pistes, les entraîneurs les plus confiants, 16, 14, 6, 15, 13, 12, 9, 8. Nos champs réduits, nous avons sélectionné le 14 comme base sur la première ligne. En quintet, nous avons sélectionné 4 chevaux, le 14, le 16, le 6, le 12. Voilà le programme de la Gazette des courses. Les pronostics de José Gouvez, John Villa, ainsi que Frédéric Schramm. Voilà son pronostic. La conclusion du favori. 9, 6, 14, 16, 12, 7, 13, 2. A joué en 2 sur 4, 9, 6, 14. Notre coup de cœur est au 6 B, le 6. En plein boom. Le favori du favori. Hold up du Dijon, le 9, a des atouts. Stop info gagnante, le 16 Have 7, le classement logique, 16, 6, 14, 7, bonne chance, 13, 12, 2, 9, outsider 11, 5, 8, As, 15, 10, 3. Délaissé le 4, notre éliminé extra du Châtelet le 4, parce qu'il garde ses fers et les fers. Alors la forme des chevaux, les graphiques en vert représentent les chevaux en forme. Le 2, le 6, le 11, le 14. La Gazette des courses, voilà la synthèse. 14, 16, 6, 12, 9, 13, 7, 2. Hamilton Duham va répéter. En résumé, base 14, 16, 6, le meilleur 14, chevaux en forme 9, à suivre le 6, un bon tuyau, le 12, surprise 13, 7, dernière heure, le 16. On continue avec le journal Paris Turf. Voilà. Voilà la quatrième course. Donc voilà la première course. La deuxième, la troisième, la quatrième course. Voilà la ligne. Voilà, on va agrandir pour pouvoir. Voilà la ligne. Voilà la dernière course, la ligne, notre choix, 14, 16, 6, 2, 12, 7, 13, 11, chance 8, 15, 9, 5, As, outsider 13, 3, gros outsider le 4, le 1, 9e, 18 partants, la dernière cote n'est pas affichée, 3 000, 26 000, attelé, la province, le 2, premier, 9 contre 1, 2150, etc. Vous pouvez arrêter et lire tranquillement. Voilà. Notre quintet, c'est celui-là, la quatrième course. Voilà les propriétaires, les entraîneurs, les chevaux, les ferrages. Femelle, hangar, mâle. L'âge, 2700. Les entraîneurs, les prix. On continue. Voilà le programme.
Voilà le programme. Voilà le programme. Les cotes. Notre pronostic par Bruno Jolivet, nos préférés 14, 6, 6, 2, 12, 7, 13, 11, chance régulière 8, 15, 9, 5, As, outsider 10, 3, gros outsider le 4. Repéré pour vous, repéré dans les jumelles le 12, le spécialiste le 14, la découverte le 13, l'outsider séduisant le 15. Voilà la sélection, confidentielle de piste. Le best of athlete, entraîneur driver, la course de référence, voilà, entraîneur hippodrome, driver hippodrome, réussite des ferrages, le classement par les points, chronovérité, ralentir la vitesse de la vidéo ou bien arrêter pour pouvoir lire ce truc-là. Statistiques écart trot, expérience sur le parcours, coefficient de réussite, indice de forme, les dernières arrivées dans la spécialité. Le championnat de France des pronostiqueurs de trot. Voilà les pronostics des médias, des presses. Le nombre de fois cité, le passé de la course, les plus cités. Les plus cités, abandonnés 1, 3, 4, 10, les favoris des médias. Voilà le passé de la course. Bonne chance, mes amis, à la prochaine vidéo.